E voilà le nonostoni. E le nonosti. E me che nonosti, tu deviens fou. Tu veux que je te torde le cou? Oh, ce soir, le brigando il mangerà à la carte. Va bene, si vuole, patron. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes amis? Oh, nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie. On t'appelle Bella Notte. Et sous les cieux, des étoiles pleines les cieux, on t'appelle Bella Notte. Oh, mais ça explique tout ce vacarme dans la rue. Oh, hey, mais j'étais pas prêt du tout à passer l'arme à gauche. Alors, voyons un peu. Manoir magnifiquement isolé, plancher chêne et sapin grinçant, entièrement rénové. Oh, parfait! Désolé, Donald, je voulais simplement te dire que je suis un fantôme. Et maintenant, toi aussi, t'en es un. Ah oui! Mais allons, calme-toi, Donald! Ce n'est que temporaire. On sait que ce sont deux braconniers et ils ont été aperçus ici! Monsieur Ventura! Je vous ai engagé afin de m'éviter l'affront que constituerait le massacre d'une tribu pacifique et il ne nous reste que 4 jours. Après cette guerre, mon gouvernement enquêtera sans l'ombre d'un doute. Vous serez mon alibi. La preuve que j'ai tout fait pour éviter que les indigènes se battent. Arrêtez cet homme. Ils sont dangereux à 8 mois. Mortellement dangereux. J'ai chassé beaucoup de fauves dangereux, mais la façon dont ces saletés se déplacent... Vite pour un bipède? La vitesse du guépard. 80 à 100 km/h si jamais on les laissait en liberté. Et ils sautent de façon étonnante. Oui. On a fait naître 8, mais quand la grande est arrivée, elle a voulu faire la loi et les a tous tués sauf 2. Celle-là, quand elle vous regarde, on sent qu'elle prépare certains coups. C'est pour ça qu'on les nourrit de cette façon. J'ai, comme tous les ans, sorti mon traîneau et j'ai mis dedans plein de cadeaux. Mais je viens vous voir ce soir. Ouais, je ne suis pas gros, c'est mon costume, il est trop... Maltoni. Manny, c'est vraiment le Père Noël. Et en plus, il est aussi vieux et aussi décrépit que j'imaginais. Oh, c'est trop bien. Regardez-moi ce désastre. Ce sera Noël dans 2 heures et tout est fichu. Mes jouets, mon traîneau, tout le fruit de mon travail. Pas un serpentard. Pas un serpentard, n'est-ce pas? Tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, tu sais. Je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait à avancer sur le chemin de la grandeur. Cela ne fait aucun doute, non? S'il vous plaît. Très bien, si tu es sûr de toi. Tout sauf Serpentard. Il vaut mieux. Gryffondor! C'est une vieille sorcière! Je tiens à vous prévenir. Si elle sait que Blanche-Neige est ici, elle nous tombera dessus et exercera sa vengeance sur nous! Mais elle ignore où je suis. Vous croyez ça? Elle sait tout ce qui se passe. Elle fait de la magie noire. Elle peut même se rendre invisible. Oh, à propos, Basile, j'adore la façon dont vous êtes déguisé. Mon Dieu, c'est à peine si on vous reconnaît. Le plus grand détective de tout le royaume. Mon esprit hostile, mes coups faciles ont fait les titres des journaux de la ville. Et tout devient sombre quand je sors de l'ombre. Et l'on me craint plus que la vieille tour de Londres. Mais je ne me force pas pour être méchant comme ça.
Je suis navré de cet accueil quelque peu froid, mon ami, mais je ne pouvais pas te laisser faire ton cirque pendant que j'enfermais tes copains poilus dans leur cage. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour les 300 livres sterling qu'ils représentent chacun. Et à vrai dire, je dois t'en remercier, mon ami. Sans toi, je n'aurais pas pu réussir ce joli coup. Puisqu'on en parle, mon coin à bon a disparu. Bon, pour l'instant, ce sera mon nouveau coin à bondir.